Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour, direction l'hippodrome de Chantilly ce dimanche 14 juillet, avec au programme, bah, logiquement, l'handicap de la fête nationale, une épreuve pour chevaux de 4 ans et plus sur les 1800 mètres de la piste du Jockey Club. Une épreuve pas si simple que ça à décrypter. Mais avant d'évoquer ma sélection, j'espère que vous m'avez suivi jeudi à Pornichet, où ma pépite, le 12, Hérosi B, s'est imposée, et surtout, mon coup de poker, le 15, Gloire du Lupin, c'est lui classé 3e à 50 contre 1, excusez du peu. Alors si oui, un petit like, ça fait toujours plaisir. Notez bien qu'à l'occasion de la semaine de Vichy, qui se déroule du lundi 15 au vendredi 19 juillet, Gélibet vous offre la possibilité de gagner 25 euros de bonus hippique. Pour cela, trois missions à accomplir en 5 jours. La première, le lundi 15, avec un minimum de 30 euros à miser sur le trio sur les courses vichysoises, avec à la clé 5 euros de bonus à gagner. La deuxième mission, du 16 au 18, miser 50 euros minimum en super top 5 et remporter au moins un rang de rapport, avec cette fois 15 euros à la clé. Et enfin, la dernière mission, le vendredi 19 juillet, où vous devez remporter 3 couplets gagnants sur les courses de Vichy, et ce sera 5 euros de bonus en plus pour vous. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne, sur laquelle vous pouvez notamment me retrouver tous les jours au travers de mes cotes et cotes et mon super top 5 pour la réunion principale. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, ce sera le numéro 6, qui se nomme Shankir, le suivi du 7, Népalais, le numéro 10, Ibrary, le 15, Ongmar, le numéro 9, Cosmo Bleu, et enfin le 14, North Hunter. Allez, on passe sur l'analyse. Ma pépite, donc le 6, Shankir, remarqué dernièrement par sa fin de course sur le parcours du jour, se protéger de Mickey Delzangle s'annonce redoutable. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau, avec notamment un brillant succès enregistré en juin 2022 à Longchamp, bien engagé en valeur. Il doit, à mon sens, lutter pour la gagne. Mon coup de cœur, le numéro 7, Népalais, déjà titulaire de 22 tentatives à ce niveau avec 2 victoires, Lyon, Paris et Deauville, et 7 accessits dans les 5 premiers. Cet élève de Fabrice Chappet n'a plus grand-chose à prouver. La distance du jour ne sera pas un souci, comme l'atteste sa récente 3e place enregistrée sur ce parcours. Il a lui aussi son mot à dire ce dimanche. Pour mon bruit d'écurie, ce sera le numéro 10, Highbury, qui est irréprochable ces dernières semaines avec un succès et 2 accessits enregistrés au cours de ses 4 dernières sorties. Se protéger de Mathieu Brandt, eh bien, connu dans cette catégorie, il excelle sur la distance de jour et se retrouve vraiment bien placé en valeur. Son entourage y croit, il ne devrait pas décevoir. Le repéré du jour, ce serait une femelle, le numéro 15, Angmar, qui vient de bien se défendre à ce niveau à Saint-Cloud avec une 3e place à la clé. Elle est en plein sur sa distance ce dimanche et semble vraiment sur la montante actuellement. Elle a déjà brillé au niveau, à ce niveau plutôt, en 40 de valeur. Autant dire que l'engagement est plutôt favorable ce dimanche. Mon coup de poker, le numéro 9, Cosmo Bleu, n'a pas été ridicule à ce niveau dernièrement à Longchamp. Se protéger de Stéphane Cyrulis aurait certes préféré un 1600 mètres, mais avec le bon parcours, je me dis qu'on ne peut pas l'écarter pour une petite place. Ma trouvaille, attention, le 14, North Hunter, plutôt régulier sur l'ensemble de sa carrière. Il compte maintenant 2 parcours dans les jambes cette année et devrait approcher de son bon niveau. Il a fait ses preuves sur ce type de distance et se retrouve bien placé en bas de tableau. Je pense qu'il mérite un certain crédit. Alors vous le savez, prendre des risques, ça fait partie du métier. J'ai donc décidé de laisser 2 chevaux au paddock, comprenez, de faire l'impasse sur leur chance. D'abord avec le numéro 5, Noir, qui n'a franchement pas convaincu cette saison, mais également le numéro 8, Mister Cassiope, qui déçoit actuellement et qui n'aura pas son terrain. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Gélibet, on peut jouer en fractionné. Bon jeu à tous et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5.